Alors il faut sélectionner quand même les bons arbres. Au réseau, on a du bois de qualité. Puis c'est grâce un petit peu aux grands forestiers que tout le monde cherche vraiment les beaux billons qu'on a besoin. On scie les billes, après elles sont, si le bois est déligné, raboté. Avec ça, on fait après pour nos ronds pour la saison. Des différentes grandeurs, c'est amené dans un congélateur pour ça stocker. Alors, on a commencé avec deux machines où on faisait à peu près 500 boîtes par jour à deux. Puis maintenant, on va livrer 6 à 8 000 boîtes par jour et 750 000 boîtes sur la saison. Alors, la tâche, c'est le tour de la boîte. Et pour faire le tour de la boîte, il faut vraiment de la menuiserie, premier choix, sans aucun nœud, sans patte de chat, rien du tout. Il faut vraiment que ça soit parfait. Les fromagers produisent des fromages qui ne sont pas tous de la même taille. C'est pour ça qu'on a une vingtaine de sortes de grandeurs de boîtes, de 11 cm à 30 cm. Plus, il nous faut encore des couvercles, donc ça nous fait 40 grandeurs différentes. Je suis né à la vallée de Joux et j'ai toujours habité ici et je sais que je repartirai jamais de là.